Non, c'est la quatrième alors. Oh. Allez-y, non, c'est pas le quatrième. Devant faire. Allez-y, donc vous voulez dire que. De toute façon, le PLN n'est pas un grand parti politique. Attends, c'est pas le quatrième ou cinquième le plus important. C'est le nombre de militants. Attention, Yassine. En tout cas, c'est un parti auquel des Guinéens ont apporté leur soutien à différentes élections et qui mérite donc ce respect-là. Qui a manqué de respect à qui? C'est un abus de langage. Non, c'est un abus de langage. Dès qu'un Guinéen donne une confiance à un parti. Non, non, c'était un abus de langage. C'était une parenthèse. Non, mais c'est que Bayala dit, c'est pas une parenthèse. Il ne peut pas me dire que je manque de respect. Non, j'ai pas dit ça. Allons-y, on va continuer parce que le temps n'est pas galant. Allez-y, Amadou. La question était de savoir, vous êtes allé à ce dialogue, vous êtes allé avec des positions que vous allez défendre. Maintenant qu'elles coïncident avec les positions du FND, du CNRD, ça ne vous concerne pas trop. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que vous accepterez que le CNRD dise, par exemple, que les 24 mois commencent à partir de janvier, que les chefs d'État de la CEDEAO le disent? Tout ce que nous savons, un mois, deux mois ou trois mois, ça ne représente rien par rapport à la quiétude en Guinée. Nous sommes foncièrement attachés au caractère paisible de la transition. Nous voulons que ce processus de transition soit apaisé et nous ne pouvons jamais poser des actes de nature à troubler cela. Donc, nous allons discuter, donnons la chance à nos techniciens d'épuiser les dossiers. Dans la thématique concernant, par exemple, le recensement général, ils vont étudier le niveau d'avancement. Ils verront ce qui est posé comme acte et cela peut correspondre à combien de temps exactement dans le processus. C'est en fonction de cela que nous pouvons nous déterminer. Vous ne pouvez pas déléguer des techniciens dans des temps. Vous n'avez pas une position claire. Pour l'instant, notre fermeté, c'était par rapport aux 24 mois. D'accord. Maintenant, le point de départ, ça peut se négocier en fonction de la lumière apportée par les techniciens qui sont dans les groupes thématiques. Est-ce que Alpha Mamadou, ensuite on va aller avec Yassine. Oui, vas-y. Parce que Monsieur Baila disait tout à l'heure, avant votre arrivée, que après, si les gens ne viennent pas, on n'est pas obligé de se bloquer, les attendre, puisqu'ils ne viennent pas, on peut aller sans eux. Et à vous entendre, on a comme l'impression que vous souscrivez à cela, si les gens ne viennent pas, et de toutes les façons, les conclusions vont s'imposer à eux. Mais l'UFR et le RPZ et le l'UFDZ, ce n'est pas celle aussi d'IA et Kassori, c'est quand même tous ces militants qui sont derrière eux. Vous pensez que ce dialogue est possible sans tous les militants de l'UFR, tous les militants de l'UFDZ et du RPZ? Vous pensez que les conclusions qui sortiront de cela peuvent être imposées à cela? Vous pensez que c'est possible? Moi, je vous fais une recommandation. Menez un sondage auprès des militants de ces partis et demandez-leur s'ils n'en ont pas marre. Ils vous diront quelque chose. Mais ce qui est clair aujourd'hui, allons aux élections. La question, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Non. La question, M. Cissé, j'accepte d'aller ajouter ça en commentaire. La question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de faire un dialogue sans ces militants-là? Peut-être que l'UFDZ n'est plus, le RPZ peut-être n'est plus la première force politique, ou bien l'UFDZ ou le FER, mais c'est là qu'on peut estimer être leurs militants. Vous pensez aujourd'hui qu'on peut parler de la Guinée sans eux? C'est ce qu'on appelle en mathématiques domaine de définition. Acceptez déjà qu'il y a un problème dans votre domaine de définition. Est-ce le problème est avec le leadership de ces partis politiques ou bien avec les militants de ces partis politiques? Avez-vous quel militant au-delà des responsables des structures, avez-vous quel militant manifesté parce que tout simplement la Guinée veut aller au dialogue? Vous dites que vous avez 95%. Voilà le problème dans ce pays. C'est qu'il y a la réalité, mais on préfère prendre les corniches. Vous dites que vous avez 95% des Guinéens. Mais quand vous dites que les gens n'ont qu'à manifester, peut-être c'est une ou deux communes qui manifestent sur 356 communes. Quelque chose tourneront? Allons aux élections, bon sang. Vous avez 95% des militants. Si c'est réel, vous devriez être les premiers à dire, quelles que soient les conditions, allons aux élections parce que nos militants vont voter. Mais c'est vous qui constituez un obstacle. C'est vous qui constituez. Non, il n'y a pas autre condition que la justice, mon frère. Les gens veulent négocier qu'il leur soit épargné une justice équitable. Ça ne peut pas marcher, monsieur. Ça, c'est la moindre des choses. S'ils sont grands, qu'ils aillent aux élections. C'est aussi simple que cela. Qu'on arrête la désinformation. Les auditeurs, j'en voudrais, si on restait sans vous poser cette question de relance, quand
vous dites allons aux élections, mais il faut rappeler quand même que le PDN, c'est ce parti qui a appelé ses représentants dans un gouvernement à sortir parce que ses désirata politiques n'ont pas été respectés. Le PDN, c'est un parti quand même qui est resté très longtemps. On en a parlé dans le micro. C'est un parti qui est resté sans aller aux élections. Mais quelle élection? C'est quand même un parti. Quelle élection? Citez-moi une seule élection. Oui. En dehors du putsch constitutionnel de 2020 que l'UFDG. On va revenir, c'est bien. Alpha Amadou, allez-y pour votre question. Moi, je voudrais simplement revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure concernant le deal entre. Bon, certains pensent qu'il y a un deal entre le CNRD et le PDN. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes. S'il y a un parti champion dans bouder les choses, c'est vraiment le PDN. Avec Alpha Condé, vous avez été intransigeant, mais vous êtes très gentil maintenant. Qu'est-ce qui le justifie? Qu'est-ce que vous dites aux gens? Est-ce que c'est le projet Coton? Deuxièmement, vous parlez sur le caractère paisible du PDN. Là, moi, ma question se porte. Parce qu'aujourd'hui, il y a une interdiction générale de manifester, en fait. Vous tenez à la paix, quand bien même les droits fondamentaux sont violés. Qu'est-ce que vous pensez au PDN sur ces mesures-là? Je crois qu'il faut redescendre sur terre. Premièrement, nous n'avons jamais boycotté une élection en Guinée en dehors de l'élection de 2020. Dont nous n'avons pas reconnu la constitution. Quand un président convoque... Vous avez demandé le retrait des membres du gouvernement. Là, vous oui, mais Alpha Condé était notre adversaire. Le CNRD n'est pas notre adversaire. Okay. Mais soyons mais quand même... Mais c'était votre allié quand vous y envoyez des C'était notre allié. Ça veut dire que nous sommes un parti responsable parce que nous sommes venus au pouvoir sur la base d'une feuille de route. Dès les 100 premiers jours, le président Kouyaté a été l'unique leader à dire que le bilan des actes posés est globalement négatif parce qu'on avait touché à un point essentiel de la Constitution, notamment le code des collectivités locales, lié notamment aux délégations spéciales. On a enlevé les maires élus pour mettre les délégations spéciales sans procédure en la matière. Donc, c'est un parti responsable plutôt. Nous avons commencé à nous opposer. On s'est rendu compte que ça part de mal en pire. Nous avons demandé à nos ministres de démissionner. Ils ont démissionné. Depuis lors, nous sommes restés sur notre ligne. Aujourd'hui, nous avons un nouveau pouvoir qui n'est pas l'allié de quelqu'un, qui n'est pas l'adversaire de quelqu'un. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que la cité soit calme, de faire en sorte que l'essentiel des opérations à mener pour le retour à l'ordre constitutionnel soit exécuté pour qu'on arrive aux élections. J'en viens si vous permettez. Oui, allez-y. On aime à le dire souvent qu'il y a 95% des électeurs qui sont aux côtés des gens. C'est que ces gens, quand vous êtes avec eux, vous êtes un grand parti, vous n'êtes plus avec eux. On a commencé à dire déjà que Kored ne représente pas 0,5%. Mais quand Kored était là-bas, on disait le tout représentait tel pourcent. Mais ce qu'il faut noter, à chaque fois qu'il y a eu élection, à chaque fois, oui, mais vous ne le disiez pas, vous teniez des réunions dans son salon, pourtant ils ne reviennent pas. Oui, dans leur salle de réunion. Donc, attendez. C'est une très belle remarque. Excellent. Parce que les réunions de ce quatuor-là, ça s'est passé là-bas, mais personne ne disait qu'il ne représentait rien. Dans la salle de communication, c'est lui qui sait. Deuxièmement, après chaque élection, on sait que le rencontre se tenait dans le salon. Après chaque élection dans ce pays, de la Colette. Les leaders dont vous parlez, qui disposeraient 95%, disaient clairement à l'ancien Kouyaté, nous avons été tous trichés, mais vous êtes le plus frappé parmi nous. Ce sont les mêmes personnes qui disaient qu'ils ne reconnaissaient pas les résultats des élections. On a connu même un qui est parti à une conférence de presse le matin. Dans les 24 heures, on l'a vu main dessous, avec un président qui déclarait président élu et qu'il dénonçait il y a moins de 24 heures. On a connu tout cela dans ce pays. Comment voudriez-vous qu'on prenne ces gens au sérieux? Vous dites que vous ne venez pas au dialogue parce que tout simplement on doit mettre fin aux poursuites. Mais disons au CNRD clairement, CNRD, voilà le document officiel ou bien la lettre officielle. Nous prenons l'engagement que vous avez le droit de prendre tout ce que vous voulez dans les caisses de l'État, mais personne ne va vous poursuivre parce que nous autres, nous devons être épargnés de ces processus qui rentrent dans le cadre de la bonne gouvernance. Maintenant, on passe des appels, on peut se permettre même après des réunions à caractère étatique, on fait des tweets pour dire oui, on s'est réunis, on a fait tout ceci, mais on manque de dire dans son tweet qu'on a parlé avec quelqu'un à Sectoria et qu'on est en train de négocier une nouvelle maison et tel et tel. Mais on peut dire qu'on ne manifeste pas, qu'on ne vient pas autour de la table, on demande aux gens de manifester, mais au même moment, on est en train d'appeler les gens pour dire parler à telle personne, il faut qu'ils mettent fin à leur affaire de justice. Mais venez autour de la table et dites non pour que
qu'on continue, il faudrait qu'on mette fin à toute poursuite judiciaire. Oui, une question. Mais il faut être sincère. Bayla n'avait pas posé de question. Allez-y, Bayla. Non, ma question maintenant, on est vers la fin de l'émission. Donc, après le dialogue, c'est certainement les échéances électorales. Est-ce que le PEDN est déjà dans cet esprit-là? Est-ce que vous vous préparez, vous redynamisez votre parti à la base, maintenant que les cartes sont rebattues, surtout dans l'ancien fief de l'ancien parti au pouvoir? Qu'est-ce que le PEDN fait dans ce sens? Je vais vous dire quelque chose. Et j'ai des sommités en la matière ici, en termes de journalisme. Retenez pour dit. Pour les élections à venir, on fera mordre la poussière à ces gens. Notez. Et je vais vous donner des indices. Parce qu'on a la mémoire courte dans ce pays, ou bien on a l'impression que la Guinée se résume à, peut-être à Nongo ici, ou bien à n'importe quel. 3 à 4 mois avant le 5 septembre, l'unique parti politique qui tenait régulièrement les activités à l'intérieur du pays et ici, allez vérifier sur les canaux, vous êtes des journalistes d'investigation ou bien des chroniqueurs, c'était le PEDN. Parce que la loi ne vous après le pas interdit. Non, la loi interdisait à qui des... Attendez. Quand est-ce le siège a été fermé? À l'intérieur du pays. Vous êtes proche, quand je parle, vous dites. Votre patron ne veut pas qu'on soulève le problème. Mais quand je m'adresse à un certain parti politique, vous avez une certaine allergie. On veut relancer puisque vous donnez des informations qui semblent très discutables. Non, ce n'est pas du tout discutable. Le siège de l'UFDG a été fermé en tant que journaliste. Après les élections. Voilà. Maintenant, avant les élections, l'UFDG tenait des activités à l'intérieur. Moi, je peux vous sortir vous êtes observateur du phénomène politique. Je vous sors les preuves. Non, j'ai le droit aussi de relancer. Il y a des formes aussi, c'est la rhétorique. Ne soyez pas fâchés pour cela. On peut poser des questions sans que ça ne soit pour quelqu'un. Non, acceptez cela. Je vous dis. Remonter sur les 3 à 4 dernières années, fouiller dans les outils de communication externe de ces partis politiques, vous ne verrez que le PDN qui tenait les activités à l'intérieur du pays, régulièrement les organes du parti 1. Depuis le 5 septembre, l'unique parti politique qui tient les activités à l'intérieur, laissez Conakry, prenez l'intérieur du pays, allez dans toutes les régions, que ce soit Moyenne Guinée, que ce soit Haute Guinée, que ce soit la Basse Guinée, vous verrez des références. Ce que nous ne disons pas de nous croire, mais allez vérifier. Et ceux qui nous écoutent peuvent avoir accès au PEDN Espoir sur Facebook, comme sur Twitter, comme sur le site. Allez vérifier si ce que j'ai dit est faux. Si c'est faux, je vous prie de dire dans votre prochain numéro que c'est pas vrai. Mohamed Cissé, responsable de la communication et porte-parole du PEDN, le Parti de l'Espoir pour le Développement National. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce studio et sur ce plateau. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation du groupe Djoma Media. Merci à vous, Yassine Palé. Merci à Amadou Bonnet Kamara. Merci à Bayla Amadou Traoré. Merci également à Alpha Mamadou Diallo Ndoye Cheikh Salibou était là pour vous servir. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagnait à la radio comme à la télévision. L'émission vous donne rendez-vous le lundi à venir, 28 novembre 2022. Si Dieu le propriétaire de Dieu à venir, levez bien. Excellent week-end où que vous soyez. Au revoir.